Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre, heureux les épis mûrs et les blés moissonnés. Voilà ce que Charles Péguy écrit lorsque toute une partie de la jeunesse rêve de la guerre, qu'elle envisage comme une imagerie d'Épinal. Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels, répond Paul Valéry au lendemain de la guerre. Pendant 4 années de furie, l'Europe s'est acharnée à se détruire. Elle a sacrifié la plus belle de ses richesses, la plus irremplaçable, une jeunesse ardente, la plus belle jeunesse du monde, la jeunesse civilisée. Pleurez, mère des combattants. Ils m'ont pris mon enfant, ils m'ont pris mon trésor. Mon Dieu, soutenez-moi, mon pauvre enfant est mort. Proscrites soient les guerres qui font pleurer les mères. Tout mon corps est brisé, tout mon sang pâle est épuisé. Laissez-moi pleurer solitaire. Laissez-moi pleurer solitaire. Il partit sur la route avec d'autres soldats. Il me dit en riant, mère, ne pleure pas. Et pendant ma prière, l'écho disait ma mère. Et c'était son adieu, je ne le savais pas. Mon Dieu, laissez-moi pleurer solitaire, laissez-moi pleurer solitaire. Rien ne pouvait faire prévoir un acharnement aussi prolongé, aussi haineux, car rien ne sépare vraiment les peuples d'Europe en 1914. Il fait aussi bon vivre sous Poincaré ou Guillaume II que sous Georges V ou François-Joseph. Une carte de visite suffit pour franchir les frontières. Comment, dans ces conditions, un crime que tout le monde réprouve, l'attentat de Sarajevo, conduit-il à un crime que tout le monde approuve, la guerre ? La guerre ne devient fatale que parce que tous les gouvernements la souhaitent. Fatale parce que les Russes croient y trouver une solution plus facile de leurs graves problèmes intérieurs, parce que les Autrichiens ne voient plus d'autres moyens pour maintenir leur empire disparate, parce que les Allemands sont pris de panique devant leur encerclement. Fatale parce que les Anglais redoutent l'expansion maritime et coloniale allemande. Fatale parce que les Français ont misé sur la Russie pour assurer la revanche pour reprendre l'Alsace-Lorraine. Tous les gouvernements d'Europe sont donc décidés à saisir la première occasion qui se présentera. Le 28 juin 1914, premier dimanche d'un bel été,
tandis que les Parisiens affluent à Longchamp pour le Grand Prix, que les canoteurs envahissent les guinguettes de la Marne ou de la Sprée, tandis que les paysans rentrent leur foin, ce 28 juin, l'archiduc héritier d'Autriche-Hongrie est assassiné à Sarajevo par un nationaliste pan-serbe. La Serbie, gonflée par ses récentes victoires balkaniques, envisage maintenant de réunir les frères placés sous la domination autrichienne, de faire résonner l'hymne serbe à Zagreb. Tout est à refaire, murmure le Kaiser Guillaume II en apprenant la mort de François Ferdinand, qu'il avait passé tant de temps à séduire. Le nouvel héritier est le débonnaire et pacifiste archiduc Charles. Décidément, demain l'Allemagne sera seule, seule devant un monde d'ennemis. Alors oui, la guerre tout de suite. Il se décide le 5 juillet et donne carte blanche à l'Autriche pour punir la Serbie. Si la Russie bouge, l'Allemagne sera là. Et tant mieux si la France est vaincue par la même occasion. Un ultimatum inacceptable est envoyé par l'Autriche à la Serbie pour demander réparation de l'assassinat. Sur les conseils russes, la Serbie accepte pratiquement tout, laissant aux Autrichiens la responsabilité de rompre pour presque rien. Nous sommes le 25 juillet et la guerre apparaît soudain comme la seule issue vers laquelle tendent les efforts des gouvernements. En ce soir du 25 juillet, Jean Jaurès prend la parole à Lyon pour lancer un cri d'alarme. Citoyens, je veux vous dire ce soir que jamais nous n'avons été, que jamais depuis 40 ans, l'Europe n'a été dans une situation plus menaçante et plus tragique que celle où nous sommes à l'heure où j'ai la responsabilité de vous adresser la parole. Ah, citoyens, je ne veux pas forcer les couleurs sombres du tableau. Je ne veux pas dire que la rupture diplomatique dont nous avons eu la nouvelle il y a une demi-heure entre l'Autriche et la Serbie signifie nécessairement qu'une guerre entre l'Autriche et la Serbie va éclater. Et je ne dis pas que si la guerre éclate entre la Serbie et l'Autriche, le conflit s'étendra nécessairement au reste de l'Europe. Mais je dis que nous avons contre nous, contre la paix, contre la vie des hommes à l'heure actuelle, des chances terribles et contre lesquelles il faudra que les prolétaires de l'Europe tentent les efforts de solidarité suprême qu'ils pourront tenter. Songez à ce que serait le désastre pour l'Europe. Ce ne serait plus, comme dans les Balkans, une armée de 300 000 hommes, mais 4, 5 et 6 armées de 2 millions d'hommes. Quel massacre! Quelle ruine! Quelle barbarie! Et voilà pourquoi
quand la nuée de l'orage est déjà sur nous. Voilà pourquoi je veux espérer encore que le crime ne sera pas consommé. Citoyens, si la tempête éclatait, tous, nous socialistes, nous aurons le souci de nous sauver le plus tôt possible du crime que les dirigeants auront commis. Et en attendant, s'il nous reste quelque chose, s'il nous reste quelques heures, nous redoublerons d'efforts pour prévenir la catastrophe. Mais Jaurès peut-il être entendu ? Les socialistes de tous les pays peuvent-ils, comme ils se le sont jurés, empêcher la guerre ? Ou, à tout le moins, pourront-ils en limiter l'extension lorsque le 28 juillet, l'Autriche déclare la guerre à la Serbie ? Non. Car la Russie soutient la Serbie et mobilise. Personne ne peut plus enrayer l'implacable déroulement des mobilisations et des ultimatums. C'est en vain aussi que le pape Pie X multiplie les prières et les objurgations. C'est en vain que Jaurès lutte désespérément. Dans tous les pays, le réflexe patriotique l'a emporté chez les socialistes. Mais, le soir du 31 juillet, un nationaliste exalté assassine Jean Jaurès, qui entre dans la légende auréolée du prestigieux mystère d'un éternel silence. Les cloches de toutes les églises sonnent le tocsin le samedi 1er août à 16h. La mobilisation générale française est ordonnée. La mobilisation n'est pas la guerre, croit devoir proclamer le président du Conseil, Viviani. Il n'en est pas besoin. Des cortèges enthousiastes parcourent les rues, des cortèges tonitruants accompagnent les régiments qui défilent, tandis que les femmes fleurissent les fusils. À Paris, les réservistes affluent à la gare de l'Est dans une atmosphère de kermesse patriotique. Et cette marée de jeunes hommes en casquette ou en canotier, aux moustaches fièrement dressées, brandit des drapeaux tricolores en criant « À Berlin ! Nach Paris !» scandent les réservistes qui traversent Berlin sous les fleurs et les acclamations, en lissant fièrement leurs moustaches et en agitant leurs canotiers ou leurs casquettes. Et quand le Kaiser passe en revue sa garde, une foule immense l'acclame, tandis que retentit la vieille Präsentiermarsch de Frédéric Guillaume III. Que va faire la Grande-Bretagne ? Elle a refusé de prendre position publiquement, mais depuis le 29 juillet, Sir Edward Grey manifeste son intérêt pour le maintien de la neutralité belge, et le premier lord de l'amirauté, Winston Churchill, met la flotte en alerte. Cependant, la Grande-Bretagne ne fait pas un geste quand les Allemands occupent le Luxembourg le 2 août. Ce même jour, une patrouille allemande en territoire français, près de Delle, tue le caporal Peugeot, premier mort de la guerre. L'ordre de retrait à 10 km de la frontière donné le 30 juillet est rapporté. Dans la soirée, l'ambassadeur allemand à Bruxelles demande à la Belgique de laisser passer les troupes allemandes. Le roi Albert Ier rejette cet ultimatum avec une noblesse qui fait de lui pour toujours le roi chevalier. Messieurs, jamais depuis 1830, heure plus grave n'a sonné pour la Belgique. L'intégrité de notre territoire est menacée. La force même de notre droit, la sympathie dont la Belgique, fière de ses libres institutions et de ses conquêtes morales, n'a cessé de jouir auprès des autres nations, la nécessité pour l'équilibre de l'Europe, de notre existence autonome, nous font espérer encore que les événements redoutés ne se produiront pas. Mais si nos espoirs sont déçus,
s'il nous faut résister à l'invasion de notre sol et défendre nos foyers menacés. Ce devoir, si dur soit-il, nous trouvera armés et décidés au plus grand sacrifice. Dès maintenant, et en prévision de toute éventualité, notre vaillante jeunesse est debout, fermement résolue, avec la ténacité et le sang-froid traditionnel des Belges, à défendre la patrie en danger. Je lui adresse, au nom de la nation, un fraternel salut. Partout, en Flandre et en Wallonie, dans les villes et dans les campagnes, un seul sentiment étreint les cœurs, le patriotisme. Une seule vision emplit les esprits, notre indépendance compromise. Un seul devoir s'impose à nos volontés, la résistance opiniâtre. Dans ces graves circonstances, deux vertus sont indispensables. Le courage calme, mais ferme, et l'union intime de tous les Belges. L'une et l'autre viennent déjà de s'affirmer avec éclat sous les yeux de la nation remplie d'enthousiasme. Ce 3 août, à 18h15, sous le prétexte de survols et d'attaques aériennes en Allemagne, l'ambassadeur Baron de Schoen remet à Viviani la déclaration de guerre du Kaiser. Depuis deux jours déjà, la guerre a été déclarée à la Russie. Le 4 août, les troupes allemandes entrent en Belgique. Alors, à 19h, l'ambassadeur britannique à Berlin demande ses passeports. Le chancelier allemand, Bethmann Hollweg, effaré, débordé par des événements qu'il n'a pas su maîtriser, ose s'étonner naïvement devant lui que l'Angleterre fasse la guerre pour un chiffon de papier. Quelques jours plus tard, le prince de Bulov, ancien chancelier d'Allemagne, demandait à son successeur « Eh bien, dites-moi seulement comment cela est arrivé ?»« Ah, si je le savais !» bredouilla le malheureux. L'armée allemande déferle en Belgique. Les longues colonnes grises de fantassins, accompagnées de leurs voitures grises, de leurs canons gris, avancent à marche forcée. Nach Paris. Des régiments de cavalerie emplissent les villes et les campagnes belges du piétinement innombrable de leurs chevaux magnifiques. Nach Paris, le long des immenses colonnes ordonnées, c'est un long va-et-vient incessant d'estafettes à cheval, de motocyclistes, de voitures d'état-major. Nach Paris, von Moltke peut être fier du spectacle extraordinaire de puissance que donne ce fleuve gigantesque et impérieux de soldats qui chantent pour soutenir leur cadence. Nach Paris! La petite armée belge ne peut évidemment opposer à cette ruée impétueuse que de courageux combats de retardement. Alors les Allemands exaspérés accusent la population de leur tirer dessus, prennent des otages, fusillent des civils. Louvain est incendié. Les forts de Liège, qui résistent sous les ordres du général Léman, sont écrasés par l'artillerie lourde. L'armée française est partie à la guerre en tenue de défilé. Capote bleue, pantalon rouge. Et de nombreux officiers ont juré, à leur sortie de Saint-Cyr, de combattre en gants blancs.
Tout le monde savait que les Allemands passeraient par la Belgique, sauf notre état-major. Et c'est à l'est, sur la ligne bleue des Vosges, que la concentration a été ordonnée. Malgré les avertissements du général Lanrezac, qui commande la 5e armée, la seule qui couvre très partiellement la frontière belge, flanquée de la petite armée britannique de French à Maubeuge. Joffre ordonne l'offensive à outrance, en Lorraine et dans les Vosges. Quelle explosion de joie lorsque le 7 août, Altkirch et Mulhouse sont enlevés par notre armée d'Alsace. Ce succès n'est hélas que local et passager. Dans le même temps que nos troupes sont contraintes d'abandonner Mulhouse, la grande offensive de Lorraine, de Morhange à Sarrebourg, est un désastre. Follement, héroïquement, les fantassins en pantalon rouge de la 2e armée ont chargé à la baïonnette, entraînés par leurs beaux officiers. Impitoyables, les mitrailleuses du Kronprinz ont fauché les pioupiou de Castelnau. Et il a fallu battre en retraite vers Nancy et le Grand Couronné. Déjà des milliers de cadavres impriment leurs taches rouges dans les champs moissonnés. Image qu'avait prévue Charles Péguy. Sont morts pour la terre charnelle, mais pourvu que ce fût dans une juste guerre. Heureux ceux qui sont morts pour quatre coins de terre. Son mort d'une mort solennelle. Heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles, couchés dessus de Dieu. Heureux ceux qui sont morts pour leur âtre et leur feu, et les pauvres honneurs des maisons paternelles. Heureux ceux qui sont sont retournés dans la première argile et la première terre. Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre. Heureux les épimus contre la progression de l'aile droite allemande en Belgique, la contre-offensive française est lancée le 21 août et la bataille s'étend à Charleroi. Partout, c'est la défaite. Sur tout le front, la mort dans l'âme, la rage au cœur,
l'armée française bat en retraite. Un coup de tonnerre déchire brutalement les illusions confiantes de l'arrière, le terrible communiqué du 29 août. La situation de notre front, de la Somme aux Vosges, est restée aujourd'hui ce qu'elle était hier. Ceci révèle pour la première fois l'ampleur de l'invasion. Un beau succès défensif à Guise ne permet qu'un bref répit. Et de nouveau, Kluck et Bulov poussent leur armée. Nach Paris. Épuisés, automates saoulés de fatigue et de poussière, affamés, mais portés à bout de bras par l'espoir d'une victoire rapide, les fantassins allemands martèlent les routes de France. Nach Paris. Devant eux, épuisés, saoulés de fatigue et de poussière, affamés, désespérés, les malheureux fantassins français se replient. Le gouvernement que Viviani a remanié pour représenter l'union sacrée de tous les partis juge nécessaire le 2 septembre de se replier à Bordeaux. La responsabilité de Paris est laissée au nouveau gouverneur militaire, Gallieni. Le 3 septembre, il fait afficher une proclamation dont le texte claque comme un coup de fouet. Habitants de Paris, les membres du gouvernement de la République ont quitté Paris. Ils vont donner une impulsion nouvelle à la défense nationale. J'ai reçu le mandat de défendre Paris contre l'envahisseur. Ce mandat, je le remplirai jusqu'au bout. Cependant, Joffre continue avec un calme olympien à diriger la retraite ordonnée de ses troupes. Il a relevé plusieurs chefs de corps de leur commandement. Et toute une fournée de généraux est partie pour Limoges. En ces jours sombres, le découragement n'a pas cours, ni chez les généraux, ni chez les soldats, tels Psychary ou Peggy, tels des milliers d'autres qui tombent pleins d'espoir. Dans les territoires occupés, les civils narguent souvent les Allemands, parfois leur tirent dessus, provoquant de terribles représailles. Le compositeur Albéric Magnat, lorsqu'il meurt ainsi dans sa maison incendiée, venait peut-être de lancer comme un défi sa chanson du Rhin allemand. Nous l'avons dit, votre Rhin allemand, il a tenu dans notre verre un couplet qu'on s'en va chantant. Efface-t-il la trace altière du pied de nos chevaux marqué dans votre sang? Nous l'avons dit, votre Rhin allemand, son sein porte une plaie ouverte du jour où Condé triomphant a déchiré sa robe verte. Où le père a passé, passera bien l'enfant. Nous l'avons dit, votre Rhin allemand, que faisaient vos vertus germaines César tout puissant de son ombre couvrait vos plaines. Où donc est-il tombé ce dernier ossement? Joffre attend une occasion de lancer ce qui sera sa dernière possibilité de contre-offensive. Soudain, l'observation aérienne révèle à Gallieni que von Kluck, au lieu de foncer sur Paris, serre sur l'est pour garder le contact avec Bulov. Gallieni lance mot nourri tel un bélier dans le flanc de von Kluck. Vers le front afflue tout ce que Paris compte de troupes par tous les moyens possibles. Réquisitionnés dans les rues de la capitale, les taxis, en une longue colonne, vont remporter la plus grande victoire psychologique de la guerre. En transportant 5 bataillons jusqu'à Nanteuil-le-Haudouin, soit 4000 hommes sur 25 kilomètres, ils deviennent le symbole de la débrouillardise optimiste, de la volonté de vaincre à tout prix, de l'initiative insolite qui donne confiance aux soldats. Le soir du 6 septembre, Joffre lance ses troupes en avant sur tout le front, par l'ordre du jour fameux. Au moment où s'engage une bataille d'où dépend le salut du pays, il importe de rappeler à tous que le moment n'est plus de regarder en arrière. Tous les efforts doivent être employés à refouler l'ennemi. Une troupe qui ne pourra plus avancer devra coûte que coûte garder le terrain conquis et se faire tuer sur place plutôt que de reculer.
quatre armées alliées se portent en avant. Contre-attaque ? Non. Cette fois, c'est la contre-offensive de ces soldats harassés et vaincus, de cette armée que les Allemands chassent devant eux depuis un mois, cette armée vaincue dans 10 batailles et toujours mordante. Sous l'élan irrésistible, c'est l'Allemand qui fléchit, qui recule. Bülow cède le premier et Kluck doit battre en retraite. C'est l'incroyable miracle. Château-Thierry, Épernay, Soissons, Reims, reconquis. Paris largement dégagé. La bataille de la Marne s'achève en une grande victoire et Joffre peut écrire au ministre de la Guerre « Le gouvernement de la République peut être fier de l'armée qu'il a préparée. » À ses troupes, il lance l'ordre du jour de la victoire. La bataille qui se livre depuis 5 jours s'achève en une victoire incontestable. La retraite des 1ère, 2ème et 3ème armées allemandes s'accentue devant notre gauche et notre centre. À son tour, la 4ème armée ennemie commence à se replier au nord de Vitry et de Sermaise. Partout, l'ennemi laisse en place de nombreux blessés et des quantités de munitions. Partout, on fait des prisonniers. En gagnant du terrain, nos troupes constatent les traces de l'intensité de la lutte et de l'importance des moyens mis en œuvre par les Allemands pour essayer de résister à notre élan. La reprise vigoureuse de l'offensive a déterminé le succès. Tous, officiers, sous-officiers et soldats, avaient répondu à mon appel. Tous avaient bien mérité de la patrie. L'immense vague de joie qui soulève la France permet de laisser dans l'ombre les mauvaises nouvelles de nos alliés russes. En face d'une faible armée, commandée par le vieux général de réserve Hindenburg, la masse des forces russes, encore grossie par l'imagerie populaire en un véritable rouleau compresseur, s'est mise en marche vers Berlin. Les Cosaques à 5 étapes de Berlin. Cela remontait le moral au moment où l'on se battait pour sauver Paris. On voyait déjà le défilé de la garde russe dans Berlin au son de la marche des Préobrajensky. Mais à Tannenberg le 27 août, au lac Mazur du 8 au 13 septembre, les armées russes sont écrasées. La menace russe est écartée de la Prusse orientale. Pourtant, plus au sud, en Galicie, les Russes ont emporté Lemberg sur les Autrichiens. Et ceux-ci sont en pleine retraite, cramponnés à la forteresse de Przemysl. Les Autrichiens n'ont pas été plus heureux contre les Serbes. Le voïvode Putnik a chassé l'envahisseur. We'll be right back.
La France respire, certes, mais la retraite allemande reste bien ordonnée et s'arrête sur l'Aisne, où un système défensif a été rapidement élaboré en creusant de profondes tranchées que protègent des réseaux de fils de fer et de barbelés. Une nouvelle forme de guerre va s'imposer. Des Vosges à Verdun et à l'Aisne, le front est immobilisé par les tranchées. C'est donc sur l'aile nord-ouest que les deux commandements ennemis vont chercher le débordement. Ce sera la course à la mer qui ne se terminera que lorsque les tranchées atteindront la côte, lorsque les barbelés plongeront dans la mer du Nord. Joffre a des renforts à opposer à cette poussée allemande, dont le fer de lance se heurte tout d'abord aux premiers intéressés à cette maîtrise du Pas-de-Calais, ceux que les Allemands avaient appelés la méprisable petite armée, les Anglais de French, dont le Tipperary devient célèbre. Au mois d'octobre, après avoir contraint les défenseurs d'Anvers à une difficile évacuation et à un regroupement sur l'Isère, les Allemands attaquent vers Calais. C'est un assaut massif de grandes masses fanatisées. Les jeunes réservistes allemands veulent offrir Calais au Kaiser, venu tout spécialement assister à la bataille. Ils avancent, certes, mais bien peu, et au prix de sacrifices effroyables. Les Belges, cramponnés au dernier lambeau de leur patrie, se battent comme des lions. Les Anglais de French, les Français de Durbal rivalisent de ténacité. Foch a été désigné pour coordonner l'effort des troupes alliées. Mais sur l'Isère, à Ypres, à Dixmude, une brigade suscite l'admiration de tous, la terreur des Allemands, les fusiliers marins de l'amiral Ronarc'h. Bourlinguer sur la mer jolie, le voilà notre vrai métier. Mais du moment que la patrie nous dit « Je te veux tout entier », aussitôt mettant sac à terre et prenant en main le flingot, le marin devient militaire, pour se battre ça fait son boulot. Marchant gaiement vers la frontière, à ses Prussiens montrant morlu, qu'en tout pays, même sur terre, l'école bleue n'ont pas peur du feu. Quand tout pays, même sur terre, l'école bleue n'ont pas peur du feu. Pour commencer la rigolade, de France chassons l'Allemand, en chantant comme en promenade, chez lui conduisons le gaiement. Et puisque sa flotte de guerre au port persiste à se cacher, et Pédibus jusqu'en sa tanière, Mathurin pourront le chercher. Marchons gaiement vers la frontière, à ses Prussiens montrons morlu, quand tout pays, même sur terre, les peuples bleus n'ont pas peur du feu. Quand tout pays, même sur terre, l'école bleue n'ont pas peur du feu. Vers le 15 novembre, les combattants épuisés laissent enfin le calme revenir sur le front. Argument suprême et décisif, on n'a plus de munitions. On était parti pour une guerre courte. Militaires et économistes étaient d'accord sur ce point. « Dans un mois, nous donnerons la main aux Russes à Berlin », disaient les Français. « Guerre fraîche et joyeuse », disaient les Allemands. Et maintenant, on est face à face dans les tranchées, en une sorte de match nul, haletant, après une incroyable débauche de balles et d'obus, avec chacun plus d'un demi-million d'hommes hors de combat, morts ou disparus. Quand cessera ce calvaire ? De Nieuport à la frontière suisse, le front est stabilisé quand arrive l'hiver. Un hiver qu'il va falloir passer dans les tranchées, les pieds dans la boue glaciale, transi de froid malgré les lainages venus de l'arrière. Pour tout horizon, une bande de terrain dévastée entre deux réseaux de barbelés.
Les cheveux longs et la barbe hirsute, le poilu est entré dans l'histoire aux côtés du Tommy dont on plaisante le T sacro-saint. En face, ceux que les Anglais appellent les Huns, ce sont maintenant pour tous les Français les Boches. Les Boches haïs, nargués, méprisés, redoutés, qui occupent tout le nord-est de la France et presque toute la Belgique. En ce premier Noël de guerre, Debussy pense plus particulièrement à ses enfants des régions envahies, à ses enfants qui n'ont plus de maison. Cependant, d'un bout à l'autre du front, il faut sans cesse entretenir la tuerie. Tantôt goutte à goutte, journellement, pour rien. Tantôt pour une attaque locale, pour prendre un observatoire, améliorer une position, ou faire germer des étoiles sur les manches des généraux. Parfois, enfin, pour une grande offensive où le sang coule à flot. Il faut percer, se retrouver en terrain libre pour revenir enfin à la guerre de mouvement, la seule vraie, celle que l'on enseigne à l'école de guerre. Et toujours, c'est l'échec. En vain les attaques meurtrières de Soissons, de Vauquois, des Éparges, du Linge, du Vieil Armand. En vain cette sanglante offensive de Champagne, où s'illustre la Légion, lorsque, accablés par une attaque allemande, les légionnaires repartent en contre-attaque à la butte de Soing en chantant « Y aura du boudin !» Thank you.
Je les grignote, confie Joffre, et les morts s'ajoutent aux morts. On s'est installé dans la guerre. Il a fallu remplacer les uniformes délavés et en loques, et depuis novembre 1914, progressivement, la tenue gris-bleu a fait son apparition. On distribue des capotes, des vareuses, des képis, des culottes, des bandes moltières, bleu horizon. En juillet apparaît le casque, qu'on appellera la bourguignotte. L'image définitive du poilu se complète. Depuis avril 1915 sont apparus les gaz de combat, lancés par obus ou en nappe. Pour se protéger, on a d'abord employé des lunettes et des compresses, puis le masque à gaz fera son apparition, ce qui achève de donner aux mêlées dans le terrain lunaire du No Man's Land, dans le fracas des Minenwerfer et des crapouillots, dans le crépitement des mitrailleuses, sous la lueur blafarde des fusées, l'aspect d'un cauchemar surréaliste. Malgré tout cela, le moral reste bon. On rit, on se fait des blagues naïves. Dans les cantonnements de repos, on chante à tue-tête quand coule le pinard versé par l'immortel Madelon. Pour le repos, le plaisir du militaire, il est là-bas, à deux pas de la forêt. Une maison au mur tout couvert de lierre, autour Louroux, c'est le nom du cabaret. La servante est jeune et gentille, légère comme un papillon. Comme son vin, son œil pétille, nous l'appelons la Madelon. Nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour. Ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère, quand on y prend la taille ou le menton. Qu'elle sait faire, Madelon, Madelon, Madelon. Nous avons tous au pays une payse qui nous attend et que l'on épousera. Mais elle est loin, bien trop loin pour qu'on lui dise ce qu'on fera quand la classe rentrera. En comptant les jours, on soupire, et quand le temps nous semble long, tout ce qu'on ne peut pas lui dire, on va le dire à Madelon. On l'embrasse dans les coins, elle dit veux-tu finir. On se figure que c'est l'autre, ça nous fait bien plaisir. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. Pas sévère, quand on lui prend la taille ou le menton, elle le rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Un caporal en képi de fantaisie s'enfuit trouver Madelon un beau matin, et fou d'amour lui dit qu'elle était jolie et qu'il venait pour lui demander sa main. La Madelon, pas bête en somme, lui répondit en souriant, et pourquoi prendrais-je un seul homme quand j'aime tout un régiment. Tes amis vont venir, tu n'auras pas ma main, j'en ai bien trop besoin pour leur verser du vin. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère,
quand on lui prend la taille ou le menton. Elle le rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Les citations depuis le mois d'avril confèrent la croix de guerre. Un roulement de permission va être établi, comme en temps de paix. Quelques jours de voyage, quelques jours de détente, quelques jours de congés payés, en somme. Un sou par jour, comme au front. Alors, encombré de musettes, le combattant bleu horizon arrive un jour dans ce foyer dont il rêvait dans les tranchées. Sa femme est devenue le vrai chef de famille et travaille pour faire vivre la maisonnée. Partout, au champ, à l'usine, dans les services publics, les femmes ont pris la relève des hommes valides. Au café du commerce, le permissionnaire ne peut répondre aux questions des stratèges locaux qui lui expliquent la guerre. Il lui demande des comptes. « Mais enfin, qu'est-ce que vous fichez à l'avant ?» Et l'arrière est abreuvé par une presse étroitement censurée de nouvelles rassurantes, de bobards héroïques, de jolis mouvements de menton, de balles qui ne tuent pas, d'obus allemands qui n'éclatent pas. Les Boches seraient affamés, Guillaume malade, la révolte gronderait en Allemagne. Nos soldats, au contraire, chantent gaillardement les mérites de la baïonnette. Rosalie pour les initiés. Rosalie, c'est ton histoire. Rosalie, c'est ton histoire. Que nous chantons à ta gloire. Vers sa gloire. Tout en vidant nos bidons. Vivons-nous. Rosalie est si jolie. Rosalie est si jolie. Que les galants de Rosalie. Vers sa gloire. Sont au moins 2-3 millions. Vivons-nous. Rosalie est élégante. Rosalie est élégante. Sa robe fourreau collante. Vers sa boîte. La revêt jusqu'au quillon. Buvons-nous. Mais elle est irrésistible. Mais elle est irrésistible. Quand elle surgit terrible. Vers sa boîte. Toute nue baïonnette. Oh. Buvons-nous. Sous le ciel léger de France. Sous le ciel léger de France. Du bon soleil d'espérance. Vers sa boîte. On dirait le gai rayon. Buvons-nous. La polka dont elle se charge. La polka dont elle se charge. S'exécute au pas de charge. Vers sa boîte. Avec tambour et clairon. Buvons-nous. Au mi-temps de la bataille, au mi-temps de la bataille, elle perce et pique les tailles, vers sa boîte, part en tête et pointe à fond, défendant. Toute blanche, elle est partie, toute blanche, elle est partie, mais à la fin de la partie, vers sa boîte, elle est couleur vermillon, défendant. Si vermeil et si rosé, si vermeil et si rosé, que nous l'avons baptisé, vers sa boîte, Rosalie à l'unisson, buvons-nous. Nous avons soif de vengeance, nous avons soif de vengeance, Rosalie verse à la France, vers sa boîte, de la gloire à plein bidon, buvons-nous. L'arrière travaille, tourne des obus, fabrique des canons, gagne de l'argent. Paris supporte avec héroïsme les rares incursions nocturnes des Zeppelins ou des Taubes. Que Viviani ou Briand ou Ribaud soient président du Conseil, c'est toujours l'union sacrée autour du président de la République, le Lorrain Raymond Poincaré. Vous avez vu passer devant vous le long cortège des départements et des villes. Vous avez entendu leurs acclamations. Il ne s'est pas élevé une voix discordante. C'est partout la même résolution, froide et réfléchie, de tenir, de durer et de vaincre. Tout le monde comprend que l'enjeu de la guerre est formidable et qu'il y va non seulement de notre dignité, mais de notre vie. Serons-nous demain les vassaux résignés d'un empire étranger ? Notre industrie, notre commerce,
Notre agriculture deviendront-ils à jamais tributaires d'une puissance qui se flatte ouvertement d'aspirer à la domination universelle? Ou bien sauvegarderons-nous notre indépendance économique et notre autonomie nationale? Problème terrible qui n'admet pas de solution moyenne. Toute paix qui viendrait à nous avec une figure suspecte et des propos équivoques. Toute paix qui nous offrirait des transactions louches et des combinaisons bâtardes ne nous apporterait sous de trompeuses apparences que le déshonneur, la ruine et l'asservissement. Le libre et pur génie de notre race, nos traditions les plus vénérées, nos idées les plus chères, nos goûts les plus délicats, les intérêts de nos concitoyens, la fortune de notre pays, l'âme de la patrie, tout ce que nous ont légué nos ancêtres, tout ce qui nous appartient, tout ce qui fait que nous sommes nous-mêmes, serait la proie de la brutalité germanique. Qui donc voudrait, par impatience ou par lassitude, vendre ainsi à l'Allemagne le passé et l'avenir de la France? Si les Allemands sont à l'ouest sur une prudente défensive, ils ont en revanche bousculé les troupes du tsar et occupent toute la Pologne, à laquelle, comme tout le monde, ils promettent la liberté. En novembre 1914, la Turquie s'est rangée aux côtés des empires centraux et menace Suez. Sur les instances pressantes du bouillant Churchill, l'attaque des Dardanelles est décidée. Le 18 mars 1915, la marine alliée tente de forcer les détroits. C'est un sanglant échec sous le feu des batteries turques. Alors on décide une action de débarquement. Le 25 avril, c'est Gallipoli. Mais les alliés sont bloqués sur l'étroite presqu'île dont ils ne peuvent déboucher. On a fondé aussi de grands espoirs sur l'entrée en guerre de l'Italie à nos côtés, le 23 mai, après de substantielles promesses. C'est avec courage et enthousiasme que les Italiens se jettent sur les défenses autrichiennes de l'Isonzo. Le pas de course des célèbres bersagliers donne l'assaut. Une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, l'assaut sera renouvelé, en vain. Et à chaque offensive, les pertes italiennes augmentent, le moral des troupes baisse. Cependant, les Autrichiens ne peuvent indéfiniment entretenir 3 fronts de combat. Avec l'aide des Allemands et des Bulgares, leurs nouveaux alliés, ils en finissent avec les Balkans. Pour tenter de secourir les Serbes, et sans s'arrêter à la neutralité grecque, les alliés débarquent des troupes à Salonique, mais trop tard. Et les troupes du roi Pierre, coupées de cette base, doivent faire une terrible retraite d'hiver à travers les montagnes d'Albanie. Anglais, Français, Italiens, évacués de Gallipoli, se retrouvent dans le camp bigarré de Salonique. Le soir, autour d'un bivouac, on écoute chanter les Serbes. Braccia bolletni. Moleše svetog Nikolu, najveću silu na moru. Moleše svetog Nikolu, najveću silu na moru. Živi se vratili kućama, živela bratska sloboda. Živi se vratili kućama, živela bratska Francuska.
La maîtrise de la mer par les Alliés permet de maintenir cette tête de pont orientale. Les navires de surface ennemis sont bloqués dans leur port, sauf quelques corsaires allemands. Mais les sous-marins, les U-boats, ont entrepris une lutte meurtrière et spectaculaire contre la navigation alliée. La Grande-Bretagne ayant décrété le blocus de l'Allemagne, celle-ci décrète le contre-blocus des côtes alliées en février 1915. Désormais, les sous-marins attaquent impitoyablement les navires marchands alliés ou les neutres suspects. Le colonel Howes, conseiller du président des États-Unis Wilson, vient en Europe pour tenter de faire renoncer l'Angleterre au blocus et l'Allemagne à la guerre sous-marine. Mais pendant sa visite, le 7 mai 1915, le paquebot anglais Lusitania est torpillé et coulé au sud de l'Irlande. Il y a de très nombreuses victimes civiles, dont une centaine d'Américains. De l'interminable liste des victimes de la guerre sous-marine se détache le nom du compositeur espagnol Granados, lors du torpillage du Sussex. Et voici le deuxième Noël au front. La victoire semble toujours lointaine, mais les Alliés ont de grands projets. Une très grande offensive veut forcer la rupture sur la Somme. Pour parer à cette menace et pour remporter un succès spectaculaire qu'ils prévoient facile, les Allemands décident d'attaquer Verdun. C'est au Crown Prince qu'est confiée cette opération. Le 21 février, aux premières lueurs de l'aube, tout le front au nord de Verdun s'embrase. Pendant 9 heures, un déluge de projectiles de gros calibre s'abat sur les lignes françaises. La plus effroyable bataille de l'histoire est commencée. À 16 heures, les Allemands sortent de leurs tranchées pour occuper le terrain bouleversé. Ils avancent, l'arme à la bretelle. Une promenade militaire à laquelle il ne manque que la fanfare de la célèbre marche de Frédéric II. Ce terrain lunaire, ce chaos indescriptible, des Français survivent. Et ces hommes qui ont survécu à 9 heures d'enfer n'ont qu'une pensée, se battre, mourir sur place pour retarder l'avance allemande. Ce prodigieux héroïsme, cet acharnement de sacrifice donne le ton à la bataille de Verdun. Une marche de chasseurs, le tram, nous permettra de saluer la mémoire des héros du Bois des Corps. Les chasseurs de Drian. «
Malgré ses héroïques efforts, l'armée allemande semble irrésistible. Le fort de Douaumont, désarmé, est occupé sans coup férir. C'est la nouvelle qu'apprend le général Pétain lorsqu'il arrive pour prendre le commandement avec les premiers renforts qui commencent leur interminable cheminement de fourmis sur la voie sacrée, la seule route disponible. Nuit et jour, en file ininterrompue, les camions déversent dans le hachoir de Verdun les divisions de relève, ramènent les blessés et les survivants, car le défi a été relevé et Verdun est devenu un symbole. Quelques mots peuvent-ils évoquer l'horreur absolue, l'horreur d'une bataille qui va durer du 21 février à la fin décembre, d'une bataille qui va laisser sur le sol torturé des Hauts-de-Meuse près de 200 000 morts français et autant d'Allemands. Et pour quel résultat sont donc morts 400 000 hommes dans la force de l'âge? Pour une avance qui ne dépassera guère 10 km. Pour une défense qui ne ramènera même pas les Allemands sur leur ligne de départ. Une longue suite de hameaux, de lieux dits, de cotes d'altitude va se graver à jamais dans la mémoire d'une génération. Immense et sinistre litanie, chant funèbre pour les morts de Verdun. Côte 304, le Morhomme, bois des corbeaux, Samonieux, bois des corps, côte du poivre, ravin d'Audremont, ravin de la mort, fort de Douaumont, bois de la Caillette, côte de froide terre, ouvrage de Thiaumont, fort de Vaux, village de Fleury, fort de Fleury, fort de Souville, fort de Tavannes, tunnel de Tavannes, batterie de Danloup, tranchée de Calonne. Un blessé parmi tant d'autres en ce mois de mars 1916, le grand poète Apollinaire, grièvement atteint d'un éclat d'obus à la tête. Laissons cet authentique combattant nous dire sa vision poétique de la guerre. C'était un temps béni. Le temps du vague-mestre. On est bien plus serré que dans les autobus, et désastre passait que singeaient les obus quand dans la nuit survint la batterie équestre. As-tu connu Guy au galop du temps qu'il était militaire? As-tu connu Guy au galop du temps qu'il était artiflot à la guerre? C'était un temps béni, jours vagues et nuits vagues. Les marmites donnaient aux rondins des canias quelque aluminium où tu t'ingénias allumé jusqu'au soir d'un vraisemblable bague. As-tu connu Guy au galop du temps qu'il était militaire? As-tu connu Guy au galop du temps qu'il était artiflot à la guerre? C'était un temps béni. La guerre continue. Les servants ont limé la bague au long des mois. Le conducteur écoute, abrité dans les bois, la chanson que répète une étoile inconnue. As-tu connu Guy au galop du temps qu'il était militaire? As-tu connu Guy au galop du temps qu'il était artiflot à la guerre? Pendant 10 mois, on se bat, mètre par mètre, cadavre par cadavre. Sur la rive droite de la Meuse, la première vague a dépassé Douaumont, encerclé Vaux. Les Allemands lancent un nouvel effort, cette fois sur la rive gauche, au Morhomme. Encore une fois, la défense tient bon, et le général Pétain peut lancer cet ordre du jour à ses troupes. Le 9 avril est une journée glorieuse pour nos armes. Les assauts furieux des soldats du Kronprinz ont été partout brisés. Fantassins, artilleurs, sapeurs, aviateurs de la 2e armée ont rivalisé d'héroïsme. Honneur à tous. Les Allemands attaqueront sans doute encore. Que chacun travaille et veille pour obtenir le même succès qu'hier. Courage, on les aura. Au mois de juillet, les Allemands lancent une dernière grande offensive qui vient échouer devant Souville, le dernier fort de la défense de Verdun. Mêlés aux troupes françaises, les régiments coloniaux paient un lourd tribut aux incompréhensibles querelles des Blancs. Maurice Ravel leur a dédié sa mélodie,
trois beaux oiseaux du paradis. À partir du 15 juillet, c'est aux Français que passe l'initiative. Pour reprendre les quelques kilomètres perdus, Nivelles et Mangin multiplient les attaques. Douaumont est enlevé d'assaut. Le vibrant chant de route de Douaumont exalte les exploits des soldats de Mangin. Come on.
La bataille de Verdun va s'achever en décembre par la victoire de la Côte du Poivre. Ensuite, ce sera jusqu'en 1918 le retour au calme, la routine des tranchées, les relèves dans la boue, les morts. De tous les points du front, les blessés affluent vers les hôpitaux, moribonds, défigurés, aveugles, promis à l'amputation. D'autres ont ce qu'on appelle la bonne blessure, celle qui, sans être grave, donne droit à un bon séjour à l'arrière, aux soins et aux sourires des infirmières. En août, quand la guerre méchante jeta sur l'homme sa tourmente, la femme prit très simplement le rôle discret de maman. Voyez-la qui soigne et surveille ses enfants inconnus la veille. Des mamans de 25 printemps gâtent des fils de 40 ans. Les cœurs tendres des infirmières sont plus ouverts à la douleur que tous les cœurs. Ils ressemblent au cœur des mères. Œuvre des obus et des balles, voici des blessés au teint pâle. De l'allemand là-bas, le fer a déchiré, troué leur chair. Le sang coule à flot des blessures, mais des mains agiles et pures ont plané sur l'endroit meurtri. Calmés, les blessés ont souri. Les doigts roses des infirmières sont plus souples et plus adroits que tous les doigts. Ils ressemblent aux doigts des mères. Les blessés, loin de leur famille, devant ces grandes sœurs gentilles et ces adorables mamans, ont oublié tous leurs tourments. Que leur esprit devienne sombre, que leurs regards s'emplissent d'ombre, c'est en des yeux de femmes encore ils vont puiser du réconfort. Les yeux si doux des infirmières sont plus rassurants et joyeux que tous les yeux. Ils ressemblent aux yeux des mères. Tandis que l'enfer de Verdun culminait, l'offensive franco-britannique prévue a été lancée sur la Somme, soulageant un peu les défenseurs des Hauts-de-Meuse. Les Britanniques, qui viennent au printemps de réprimer durement un soulèvement de l'Irlande, vont y participer en nombre important. La conscription a été enfin admise, et les jeunes Tommies ont afflué en France, vêtus de confortables tenues kaki, coiffé au combat depuis mars 1916 d'un curieux casque plat qui rappelle celui des archers d'Azincourt. Leur quartier général est à Armentières, où les séduisants soldats de Sa Majesté ont trouvé leur madelon. Les Allemands viennent de remplacer leur casque à pointe en carton bouilli, dont ils avaient d'ailleurs depuis longtemps renié la pointe, par un lourd et large casque d'acier. Ce sont eux, cette fois, qui vont subir le cataclysme d'une gigantesque préparation d'artillerie. Pendant 6 jours entiers, c'est le martèlement ininterrompu des positions allemandes. Mais quand débute l'assaut, il faut se battre au couteau, à la baïonnette, contre les hommes sortis de leurs abris.
Les gaz, les lance-flammes, les nouveaux fusils mitrailleurs, rien n'y fait. Quelques succès vers Péronne ne font pas la victoire. Ils étaient partis en chantant, l'esprit léger, le cœur content, rêvant de folles chevauchées. Et voici que ce bel entrain est venu culbuter soudain dans les tranchées. Il pensait tomber au soleil les gouttes de leur sang vermeil, l'astre d'or les aura séchés. C'est la nuit au fond d'un fossé que ce sang pur sera versé dans les tranchées. Mais qu'importe où, comment, pourquoi, si pour la France et pour le droit, jeunesse, vous êtes fauchés. La gloire, la même pour tous, la gloire descend jusqu'à vous dans les tranchées. Devant cet échec, les Britanniques vont prématurément mettre en œuvre leur premier char d'assaut, construit en grand secret sous le nom de camouflage de tank, ce qui veut dire réservoir. Mais l'apparition de ces monstres n'a qu'un succès de surprise qui dure peu, et les Allemands, heureusement, ne croient pas à l'efficacité de ces engins. Cependant, les Alliés, et surtout Churchill, leur gardent confiance. Ils en espèrent les brillantes victoires, les avances fulgurantes de demain. Le 15 novembre, les offensives de la Somme sont suspendues. Elles ont été aussi vaines que meurtrières. Et partout, on se bat. On se bat en Italie, toujours sur l'Isonzo. On se bat en Pologne. Et Brusilov a lancé en juin une grande offensive qui a fait reculer les Autrichiens sur les Carpates. On se bat dans les Balkans, où la Roumanie a rejoint le camp allié pour être aussitôt écrasée et envahie totalement. On se bat sur mer, où les deux grandes flottes de surface se sont affrontées au large du Jutland le 31 mai, bataille indécise, certes, mais qui aura un résultat capital. Jamais plus la flotte allemande de haute mer ne se risquera hors de ses bases. On se bat dans les airs, où les aviateurs, un peu méprisés au début, sont devenus des héros populaires. Pas un de ces gosses de Paris immortalisés par Poulbeau qui ne connaissent les Spades, les Moranes, les Nieuports, l'escadrille des Cigognes, Fonck, Ningesser, Franz, Roland-Garros et surtout Guynemer, l'as des as, le héros moderne absolu. Salut à l'étoile éternelle, à la France de nos aïeux, brillant d'une flamme immortelle, pilote, vogue et flotte, oh la sacrée, c'est la gloire, la victoire du pays de la liberté, bel oiseau de France, ange dans les airs, et notre nos cœurs, au frisson de tes chants.
tant de sacrifices humains sans autre résultat que des communiqués de successives victoires qui ne sont pas la victoire, tant de sang pour un pareil affrontement sur place, tant de gaspillage de richesses, inquiétant pour l'avenir, vont tout de même conduire à quelques efforts pour la paix. Les gouvernements sentent monter sourdement la révolte au sein des peuples accablés qu'ils dirigent. Dès son accession au trône, à la mort de François-Joseph, le nouvel empereur d'Autriche, Charles Ier, va multiplier les tentatives pour le rétablissement de la paix par des négociations. Le 12 décembre 1916, les deux empereurs proposent d'ouvrir des pourparlers. Dès le 19, Briand rejette cette ouverture. Lorsque Wilson demande aux belligérants de publier leur but de guerre, l'Allemagne refuse. Mais les Alliés répondent en demandant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, donc la dislocation de l'Autriche-Hongrie. Toutes les tentatives de médiation échouent. Et pourtant, partout, la population est lasse de la guerre. Romain Rolland, de son exil suisse, au-dessus de la mêlée, lance cet appel. Entendez-vous, Européens ? Vous bouchez les oreilles. Écoutez donc en vous. Nous-mêmes, interrogeons-nous. Ne faisons pas comme ceux qui jettent sur leurs voisins tous les péchés du monde et s'en croient déchargés. Dans le fléau d'aujourd'hui, nous avons tous notre part. Les uns par volonté, les autres par faiblesse, et ce n'est pas la faiblesse qui est la moins coupable. Apathie du plus grand nombre, timidité des honnêtes gens, égoïsme sceptique des veuls gouvernants, ignorance ou cynisme de la presse, gueules avides des forbans, peureuse servilité des hommes de pensée qui se font les bedeaux des préjugés meurtriers qu'ils avaient pour mission de détruire, orgueil impitoyable de ces intellectuels qui croient en leurs idées plus qu'en la vie du prochain et feraient périr 20 millions d'hommes afin d'avoir raison. Qui de nous n'est coupable ? Qui de nous a le droit de se laver les mains du sang de l'Europe assassinée ? Que chacun voit sa faute et tâche de la réparer. Mais d'abord au plus pressé. Voici le fait qui domine. L'Europe n'est pas libre. La voix des peuples est étouffée. Dans l'histoire du monde, ces années resteront celles de la grande servitude. Une moitié de l'Europe combat l'autre au nom de la liberté. Et pour ce combat, les deux moitiés de l'Europe ont renoncé à la liberté. C'est en vain qu'on invoque la volonté des nations. Les nations n'existent plus comme personnalité. Après une crise dramatique, la guerre va pourtant trouver en 1917 son second souffle, d'abord chez les gouvernants et ensuite jusque dans les peuples. En France, Joffre a été nommé maréchal de France et chargé d'honneur afin de le décharger de son commandement qui passe à Nivelles, le vainqueur de la contre-offensive de Verdun. En Allemagne, c'est le vieux maréchal von Hindenburg qui reçoit un commandement que son adjoint Ludendorff exerce en fait plus que lui. Après l'échec de son ouverture de paix et devant l'efficacité des convois alliés, le Kaiser ordonne une aggravation de la guerre sous-marine. Les torpillages se feront désormais sans avertissement et sans restriction, malgré les protestations américaines. Alors, c'est la rupture. Et le 6 avril 1917, la déclaration de guerre des États-Unis à l'Allemagne. Pour les Alliés, l'espoir de la victoire devient une formidable certitude. Saint-Saëns, qui accompagne Viviani dans une mission aux États-Unis, compose cet hommage à l'Amérique. Battant, honneur à son geste héroïque, et serrons la main qu'il nous prend. Comme au grand jour de notre histoire, que soient liés nos deux pays, et contre les boches maudits, marchons ensemble à la victoire. Sous les drapeaux d'Amérique et de France, toujours par la fraternité, nous combattrons pour notre délivrance, pour la justice et pour la liberté.
Marie. Marchons, luttons tous ardemment. Il faut pour sauver la patrie terrasser le monstre allemand. Et nous pourrons revoir encore sous le soleil longtemps voilé le grand étendard étoilé, s'unir au drapeau tricolore sous les drapeaux d'Amérique et de France, toujours unis par la fraternité. Nous combattrons pour notre délivrance, pour la justice et pour la liberté. Mais quand arriveront les Américains? On ne peut pas les attendre indéfiniment. Un effort simultané de tous les alliés sur tous les fronts ne pourrait-il venir à bout des empires? Les Allemands sentent venir ce danger, et au printemps, délibérément, ils reculent de quelques kilomètres sur une ligne préparée tranquillement et solidement organisée, la ligne Siegfried. C'est au fonceur, Mangin, que Nivelle confie le front d'assaut le 16 avril au chemin des Dames. Mais dès le 19, il faut arrêter l'hécatombe. Mangin est relevé de son commandement le 29. Quand on veut reprendre cette désastreuse offensive, quelques régiments refusent de marcher. Et pendant quelques semaines vont se produire ça et là quelques mutineries. Devant ce sinistre plateau de Craonne, les soldats murmurent, et le plus poignant, le plus authentique des chants de combattants se répand malgré les interdictions. Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous, on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au civelot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre. Huit jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseur à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne sur le plateau qu'on veut laisser sa peau, car nous sommes tous condamnés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font leur foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées.
pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres purotins. Tous les camarades sont enterrés là, pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ce qu'on le pognon, ceux-là viendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, ça les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de voguer sur le plateau. Car si vous voulez la guerre, peignez-la de votre faux. Ces mutineries restent limitées, dans le temps comme dans l'extension. Bien vite, les régiments sûrs, les gendarmes, mettent à la raison des unités désobéissantes. Les tribunaux militaires jugent vite et sans pitié. Le général Pétain limite les sanctions, si bien que tout finit par rentrer dans l'ordre. Pour redonner confiance à son armée convalescente, il se borne à quelques attaques locales minutieusement préparées et qui sont de brillants et faciles succès, tels celui de la Malmaison. Désormais, la pensée permanente de Pétain va être d'attendre l'arrivée massive des Américains, qui ne sont encore pour l'heure que quelques détachements précurseurs que l'état-major de Pershing organise à l'arrière. Les grands gaillards en large chapeau de feutre connaissent une immense popularité. C'est avec curiosité que l'on écoute leur jazz bands se déchaîner dans une espèce de furie sonore. Sur le front sud, les Italiens ont lancé, toujours sans succès, les 10e et 11e offensives de Lisonzo. Mais au mois d'octobre, les Allemands vont disposer de réserves et ils décident d'aider les Autrichiens à en finir avec l'Italie. Le 24 octobre, sous des nappes de gaz, ils défoncent le front italien près de Caporetto et avancent à marche forcée sur Venise. La tranquillité du front ouest permet l'envoi de Fayolle avec de substantiels renforts pour soutenir à temps le redressement des Italiens du général Diaz sur le front du Piave. Thank you.
De justesse, les Italiens ont donc évité eux aussi l'effondrement. Mais il n'en est pas de même en Russie. L'assassinat du scandaleux moine Rasputin le 30 décembre 1916 a été le premier signe d'une crise qui éclate en mars. Les événements se déroulent avec une stupéfiante rapidité. Grève générale le 8 mars et, dès le 14, le tsar abdique. Le gouvernement provisoire bourgeois du prince Lvov est bien accueilli de la France républicaine. Mais les ouvriers russes, groupés en soviets, veulent le pouvoir et la fin de la guerre. L'exilé Lénine, rentré en Russie en traversant l'Allemagne dans un wagon plombé, prend une influence croissante. C'est en vain que le socialiste Kerensky tente de reprendre en main les troupes. Au premier effort allemand, le front russe se désagrège. Kornilov entraîne ses troupes contre Kerensky. Et le 7 novembre, c'est la révolution bolchévique, la prise insurrectionnelle du pouvoir par Lénine et Trotsky. Dès le 20 décembre, les soviets négocient avec l'Allemagne pour une paix séparée et un armistice est signé à Brest-Litovsk le 3 mars 1918. La révolution russe et l'intervention américaine en Europe font de cette année 1917 un tournant décisif de l'histoire du monde. Ayant abattu un de leurs adversaires, les Allemands, malgré le blocus qui les étrangle de plus en plus, ont confiance. Mais ils savent qu'il faut en finir rapidement, devancer l'arrivée des masses américaines. Quant aux Occidentaux, ils attendent ce renfort qui doit leur donner la victoire. Une impulsion nouvelle va être donnée à la défense nationale par l'arrivée au pouvoir le 16 novembre 1917 du vieux tigre, Georges Clemenceau, qui fait cette déclaration devant la Chambre. Nous nous présentons devant vous dans l'unique pensée d'une guerre intégrale. Nous voudrions que la confiance dont nous vous demandons le témoignage fût un acte de confiance en vous-même. Un appel aux vertus historiques qui nous ont fait français. Jamais la France ne sentit si clairement le besoin de vivre et de grandir dans l'idéal d'une force mise au service de la conscience humaine, dans la résolution de fixer toujours plus de droits entre les citoyens comme entre les peuples capables de se libérer. Vaincre pour être juste. Voilà le mot d'ordre de tous nos gouvernements depuis le début de la guerre. Ce programme à ciel ouvert, nous le maintiendrons. Ces Français que nous fûmes contraints de jeter dans la bataille, ils ont des droits sur nous. Ils veulent qu'aucune de nos pensées ne se détourne d'eux, qu'aucun de nos actes ne leur soit étranger. Nous leur devons tout, sans aucune réserve. Tout pour la France, saignante dans sa gloire, tout pour l'apothéose du droit triomphant. Un seul devoir est simple, demeurer avec le soldat, vivre, souffrir, combattre avec lui, abdiquer tout ce qui n'est pas de la patrie. L'heure nous est venue d'être uniquement français, avec la fierté de nous dire que cela suffit. Un jour, de Paris au plus humble village, des rafales d'acclamations accueilleront nos étendards vainqueurs, tordus dans le sang, dans les larmes, déchirés des obus,
magnifique apparition de nos grands morts. Ce jour, le plus beau de notre race, après tant d'autres, il est en notre pouvoir de le faire. Pour les résolutions sans retour, nous vous demandons, messieurs, le sceau de votre volonté. Clémenceau n'a qu'un mot d'ordre, je fais la guerre. Malheur à qui se met en travers. Il balaie d'un coup toute pensée de négociation, toute velléité de compromis, qu'il baptise défaitisme. Caillot, l'homme qui peut-être aurait évité la guerre, en fait les frais. Mais quand la situation sera de nouveau tragique, pas question pour Clémenceau d'un départ pour Bordeaux. Il dira « Je me battrai devant Paris, je me battrai dans Paris, je me battrai derrière Paris. » Car de nouveau la tempête va se lever. Libérés de tout souci à l'est, les Allemands massent sur le front ouest leurs meilleures troupes, pour ce qu'ils nomment l'offensive pour la paix. Avec Joffre a disparu la précaire unité de commandement interallié, et il n'y a que juxtaposition entre les troupes anglaises et françaises. C'est à ce faible point de jonction que Ludendorff enfonce un bélier puissant de 59 divisions dans le sud du front anglais. Le 21 mars 1918, après 5 heures de préparation, l'infanterie allemande sort de ses tranchées, collant aux éclatements d'un barrage roulant d'artillerie. Le contact entre Français et Anglais est rompu et une brèche de 20 km entre les alliés s'élargit, les uns protégeant Calais, les autres couvrant Paris, la capitale de nouveau menacée d'une entrée des troupes allemandes. Il faut un organisme de liaison interallié. Tout de suite, un nom s'impose, celui de Foch, qui a déjà joué ce rôle en 1914. C'est le 25 mars que cette décision capitale est prise, alors que de nouveau, après tant de sacrifices, l'ombre de la défaite se profile. Et c'est ce jour-là aussi que la France perd une de ses plus grandes gloires nationales, Claude Debussy, dont la berceuse héroïque, composée aux heures sombres de l'invasion de la Belgique, reprend une triste résonance actuelle. Depuis plusieurs jours, la capitale est bombardée par des canons allemands à longue portée que les Parisiens ont surnommés Grosse Bertha. Et le vendredi saint, 29 mars, un obus tombe sur l'église Saint-Gervais, pleine de fidèles.
De ces armées martyrisées, la France tire encore la substance nécessaire pour reformer le front et sauver Amiens. Foch est maintenant plus qu'un coordinateur. Aidé de son inséparable chef d'état-major Weygand, il devient le commandant en chef interallié avec le titre de maréchal de France. Nouveau coup de boutoir allemand à la fin mai, sur le chemin des Dames, nouvelle rupture. En 4 jours, l'ennemi est sur la Marne. Toutes les dernières réserves sont jetées dans la bataille et le 1er juin, une division américaine prêtée par Pershing reçoit à Château-Thierry et au Bois-Belleau le baptême du feu. Un dernier effort va-t-il conduire les soldats du Kaiser à Paris? C'est pour vivre ce triomphe que Guillaume II vient en personne assister à la grande offensive de la victoire, le 15 juillet, entre Château-Thierry et Reims. Il est impatient de faire son entrée triomphale à Paris, comme son grand-père, comme son arrière-grand-père. Des centaines de canons martèlent les positions françaises et, derrière le barrage, surgit l'infanterie. Mais tout cet effort tombe dans le vide. Pétain a fait évacuer les premières lignes quelques minutes avant l'attaque. Un tir soutenu écrase l'avance allemande et la contre-attaque surgit en force des deuxièmes lignes. La vieille marche du Père la Victoire trouve un regain d'actualité car maintenant la victoire est là et Georges Clemenceau a bien mérité ce surnom. Désormais, le sens de la guerre est définitivement retourné. Le 18 juillet, Mangin lance la formidable masse de 300 chars dans le flanc des Allemands et les voilà reconduits jusqu'à l'Aisne. La seconde bataille de la Marne est gagnée. L'homme de la situation n'est plus le prudent et pessimiste Pétain. C'est maintenant l'heure des hommes de l'offensive à outrance, naguère si nocifs, les Foch, Mangin, Gouraud, qui vont arracher la victoire au pas de course avec l'aide des 5 armées anglaises de Haig, des 2 armées de Pershing, de la vaillante armée belge du roi Albert. Le 8 août, au moment où le front allemand éclate devant Montdidier, Ludendorff comprend qu'il n'y a plus d'espoir, c'est le jour de deuil de l'armée allemande. Le 14 août, Hindenburg prévient le Kaiser.
Les empires centraux, affamés par le blocus, sont soumis à l'infiltration de la propagande soviétique pour une paix immédiate et la prise du pouvoir par le prolétariat. Les peuples de l'Autriche-Hongrie veulent leur indépendance nationale. À cette Autriche-Hongrie moribonde qui assure le flanc sud des empires avec l'aide des Bulgares et des Turcs, l'armée alliée de Salonique va porter le coup mortel. Moins aventurée depuis que les Grecs ont été contraints à rejoindre le camp allié, l'armée d'Orient a été renforcée et Franchet d'Espéret en a pris le commandement en juin 1918. Le 15 septembre, Français et Serbes enfoncent le front bulgare du Dobropol. Dès le 29, la Bulgarie doit capituler, laissant le passage aux alliés tant vers la Turquie que vers l'Europe centrale. Au moment où les Italiens remportent sur leur front la grande victoire de Vittorio Veneto, les régiments français pénètrent en Hongrie. À l'ouest, l'offensive générale a débuté le 26 septembre. Partout maintenant, c'est la grisante allégresse, après 4 ans de tranchées, d'une rapide avance victorieuse. Les Américains enlèvent Saint-Mihiel, les Tommy sont couverts de fleurs à Lille, tandis que Bruges acclame son roi chevalier. Lens et Saint-Quentin font connaissance avec une armée bleu horizon qu'elle n'avait jamais vue. Foch veut pousser jusqu'au Rhin et les Allemands ne peuvent plus l'en empêcher. D'autant moins que leurs alliés s'effondrent. Le 30 octobre, la Turquie capitule et l'Autriche-Hongrie en fait autant le 3 novembre. Déjà, l'Allemagne a demandé à Wilson la paix, sur les bases énoncées en janvier 1918. Mais les alliés exigent une capitulation que l'Allemagne accepte en principe le 27 octobre. L'amiral Scheer se refuse à livrer sa magnifique flotte sans une dernière sortie, pour l'honneur. C'en est trop. Quand on leur commande de se préparer, les marins allemands se révoltent. Leur exemple se répand rapidement. Alors, le 9 novembre, Guillaume abdique. La veille, les plénipotentiaires allemands ont franchi les lignes françaises avec le drapeau blanc. Foch les a reçus dans le wagon-salon qui lui sert de quartier général dans la forêt de Compiègne. « Quelles sont vos propositions ?» demandent les Allemands. « Je n'ai pas de proposition, » répond Foch. « Demandez-vous l'armistice ?»« Oui. » Alors, voici mes conditions. Le 11 novembre, à 5 heures du matin, l'armistice est signé. Foch peut lancer à ses soldats l'ordre du jour de la victoire. Officiers et sous-officiers, soldats des armées alliées, après avoir résolument arrêté l'ennemi, vous l'avez, pendant des mois, avec une foi et une énergie inlassables, attaqué sans répit. Vous avez gagné la plus grande bataille de l'histoire et sauvé la cause la plus sacrée, la liberté du monde. Vous pouvez être fiers. D'une gloire immortelle, vous avez paré vos drapeaux. La postérité vous garde sa reconnaissance. À 11 heures du matin, le 11e jour du 11e mois de l'année, après 1561 jours de guerre, l'éclairon sonne le cessez-le-feu. Une joie délirante soulève les survivants du front et la glorieuse Madelon des jours sombres se découvre une sœur, la Madelon de la victoire. Après 4 ans d'espérance, tous les peuples alliés, avec les poilus de France, font des moissons de laurier, et qui préside la fête, la joyeuse Madelon. Dans la plus humble guinguette, on entend cette chanson. Ohé Madelon, à boire et du vent. Madelon, remplis mon verre et chante avec les poilus. Nous avons gagné la guerre, un croix-tu qu'on les a eus. Madelon, renverse à boire. Les noms rayonnants de gloire de ceux qui nous ont sauvés.
Mais en parlant de vos pères, n'oubliez pas Madelon, qui versa sur leur misère la douceur d'une chanson. Chantez Madelon, la mise du front. Madelon, remplis ton verre et chante avec les poilus. Nous avons gagné la guerre, un croisé qu'on les a eus. Madelon, avec sa voix et son bonnet bateaux, c'est pour fêter la victoire. J'offre Foch et Clémenceau. Dans tous les pays alliés, la joie explose. Paris retentit de gigantesques farandoles, d'embrassades, de rires, de pétards. Tout ce qui porte un uniforme bleu horizon ou kaki est porté en triomphe, permissionnaire, convalescent ou embusqué. C'est la paix. La guerre est finie et l'on peut maintenant en faire le sinistre bilan. La France pleure 1 400 000 morts et elle a eu 4 270 000 blessés. La victoire des Alliés est totale. Et particulièrement celle de la France. Certes, les désillusions viendront vite, avant même le traité de paix, mais en ces heures de novembre, la revanche de 1870 est accomplie, et les chères provinces perdues cessent de figurer en bistre sur les cartes de France. À Metz, bouleversé d'émotion, lorsqu'il remet à Pétain le bâton de maréchal de France, Poincaré tombe dans les bras de son vieil ennemi intime, Georges Clémenceau. Le vainqueur civil de la guerre, Clémenceau, est parvenu au but de toute sa vie politique. Ils ont rendu l'Alsace et la Lorraine. Sol bien-aimé, très saillonnaise, au bruit des fers de nos chevaux, entend vibrer la Marseillaise au bord du Rhin. Ses eaux, nos régiments dans les rues de Saverne chantent gaiement nos airs nationaux et leur gaieté dans les vieilles tavernes a fait pâlir les sinistres bourreaux. Ils ont enfin rendu l'Alsace et la Lorraine, le qui raillait la France et qui disait jamais ils n'avaient su là-bas. L'Alsace était resté français, oui, le cœur de l'Alsace était resté français. Le 14 juillet 1919 passe sous l'arc de triomphe de l'Étoile un fleuve victorieux dans le scintillement des baïonnettes. Joffre, le vainqueur de la Marne, Foch, le vainqueur de la bataille finale, ouvre le défilé. Puis viennent les Alliés, Belges, Britanniques, Italiens, Serbes, Roumains, Grecs, Portugais, Japonais et les Américains. Mais voici l'instant solennel et sacré. Précédé par Pétain, le vainqueur de la défensive, l'armée française parcourt la voie triomphale. Partie au combat en tenue de défilé, c'est dans sa tenue de combat qu'elle défile, le glorieux uniforme de notre plus grande victoire. Car si, pour tous les peuples du monde, la guerre de 1914-1918 fut la guerre mondiale, la première, hélas, et non la der des der, pour la France, elle fut, elle reste, la Grande Guerre. Une victoire sans égale, mais qui lui a coûté trop cher. We'll be right back.
jamais personne n'aura plus de titre pour défiler sous cet arc de triomphe que la Grande Armée de 1918. Et désormais, un mort parmi les morts, un des morts anonymes de Verdun, barre de sa tombe la porte triomphale et semble crier pour l'éternité « On ne passe pas !» d'un peuple entier, les berçons.